19 ans plus tard, Srebrenica continue d'enterrer ses morts. Près de 8000 musulmans ont perdu la vie ici, dans l'est de la Bosnie, massacrés par les forces serbes bosniennes en juillet 1995. Un événement considéré aujourd'hui comme un génocide, meurtre de masse le plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. 15 000 personnes sont venues à Srebrenica ce vendredi prier pour leurs proches disparus. À cette occasion, 175 nouvelles victimes identifiées depuis l'année dernière ont pu enfin être enterrées dignement. Plus de 6 000 personnes reposent aujourd'hui au mémorial de Potoczari. Certaines familles décimées lors du massacre de juillet 1995 n'ont donc toujours pas pu identifier formellement leurs proches. Les procès de Radovan Karadzic et Ratko Mladic, anciens chefs politiques et militaires des Serbes de Bosnie, ont lieu en ce moment à La Haye. Cheers.